Coucou les moyens, coucou les grands. Nous allons faire un jeu pour jouer avec les sons I et O. Ce sont des phonèmes voyelles. I et O. Alors, je vous montre. Il y a deux épiciers. Il y a l'épicier Paddy et l'épicier Pado. Pado, il n'aime pas les fruits et les légumes où il y a un O dedans. Et Paddy, il n'aime pas les fruits ou les légumes où il y a un I dedans. Donc, dès qu'on entend I, on met les légumes chez Pado. Si on entend O dans le légume que je montre, on le met chez Paddy. D'accord? Lui, il n'aime pas les O. Quand on entend O, il ne veut pas les vendre. Lui, quand on entend I, il ne veut pas les vendre. Je vous montre une image et vous me mettez votre doigt sur l'écran pour me dire où on le range. C'est du maïs. Alors, qui va vendre le maïs? Paddy ou Pado? Maïs. On entend I, maïs. Alors, on le met chez Pado. Parce qu'il y a un I dedans. Et lui, il ne veut pas vendre des fruits et des légumes avec un « i » dedans. Alors, ça, c'est quoi comme légume? C'est une aubergine. 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 On la range où? On la range chez Pado. Parce qu'il y a un « i » dedans. Allez, une autre image, c'est un cornichon. 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 Où est-ce qu'on le range? Tu mets ton doigt. On le met chez Paddy. Parce que dans cornichon, il y a un O dedans. Allez, encore. Haricot. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Essayez de deviner pourquoi c'est compliqué. Haricot. Dedans, il y a un I et il y a aussi un O. Alors, il n'y a personne qui veut vendre des haricots. Ni Paddy, ni Pado. Alors, les haricots, je les mets à côté. C'est quoi comme fruit? Orange. Orange. On la range où l'orange? Orange. On la range chez Paddy. Parce qu'il n'y a pas de I dans orange et il y a un O. Alors Pado, il n'aime pas. Il veut pas d'eau, Pado. Brocoli. Brocoli. Qu'est-ce qu'il y a comme son dedans? Il y a le son O deux fois, broco. Et il y a le son I une fois à la troisième syllabe. Donc, ni Paddy, ni Pado ne veut vendre de brocoli. Donc, je le mets à côté. Qu'est-ce que c'est? Des champignons. Champignons. Mets ton doigt où on doit le ranger. On le range chez Pado. Champignon. Il n'y a pas de O dedans. Et il y a un I. Alors, Paddy, il ne veut pas. Champignon. C'est quoi, ça? Artichaut. Artichaut. On le range où? Qui veut le vendre, l'artichaut? Artichaut. Personne. Parce qu'il y a un I et aussi parce qu'il y a un O dedans. Alors, on le met à côté. C'est quoi? Des radis. Radis. On les range où? On les range où?
on les range chez Pado. Il n'y a pas de O dedans. Et il y a un I, alors pas dit, il n'en veut pas. Avocat. Mets ton doigt. Avocat. Va chez Paddy. Il n'y a pas de I dedans et il y a un O. Tomate. Tomate. On le met chez Paddy aussi. Parce qu'il n'y a pas de I dans tomate et il y a un O. Pas d'O, il n'en veut pas. Qu'est-ce que c'est ça? Endive. Endive. Elles vont où les endives? Mets ton doigt. Elles vont chez Pado. Parce qu'il y a un I dedans. Pas dit, il en veut pas. Endive. Noix de coco. Noix de coco. Où est-ce qu'on les range, les noix de coco? On les range chez Paddy. Il n'y a pas de I dedans. Et il y a deux O. Noix de coco. Qu'est-ce que c'est? Citron. Citron. Tu mets ton doigt. Le citron va chez Pado. Il n'y a pas de O dedans. Et il y a un I. Citrouille. 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 Il y a un I dedans. Donc, il ne va pas chez Paddy. Il va chez Pado. Elle va chez Pado. C'est quoi? C'est un abricot. Abricot. Qui veut le vendre, l'abricot? Abricot. Personne. Ni Paddy, ni Pado, parce qu'il y a un I. Abri. Et il y a un O. Co. Donc, on le met à côté. Poireau. Poireau. Il va où le poireau? Il va chez Paddy. Il n'y a pas de I dedans. Et il y a un O. Pado, il n'aime pas les O. Cerise. Cerise. Elles vont où les cerises? Elles vont chez Pado. Elles vont chez Pado parce qu'il y a un I dedans. Paddy l'aime pas. Et voilà, tu as fini le jeu. Voilà, donc il faut regarder beaucoup cette vidéo pour s'entraîner parce que c'est un tout nouveau travail, ça. Et je vous ai mis dans la description de la vidéo deux liens. Un lien pour accéder à cette fiche, un lien pour accéder à cette feuille. Et ainsi, vous pouvez vous entraîner. Vous mettez tous les fruits où il y a un O dedans, les fruits et les légumes où il y a un O dedans dans un tas. Tous les fruits et légumes où il y a un I dedans dans un tas. Et tous les fruits où il y a un I et un O dedans dans un autre tas. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas d'imprimante, il faut demander à papa et maman ou vous-même essayer de dessiner des fruits sur des petites cartes. Et puis, pour jouer comme ça avec des fruits dessinés. Voilà, voilà. Bisous les loulous.